Salut, c'est Lo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène pour aller chercher l'AWD, donc la transmission intégrale pour le White Western Star 4964. Pas très loin du garage, voici une partie du trajet à effectuer. Je vais d'ailleurs vous le retracer. On va le retracer ensemble juste après. Alors j'emprunte toujours ce petit passage là pour gagner un peu de temps. On passe là, hein, la route est barrée par des rochers. Mais il suffit de passer là, on contourne sur la gauche et ça passe assez facilement. Même avec un camion équipé de transmission intégrale, ça passe aussi. Hein. Alors, sur la carte, on part du garage. Je vais tout refaire. Je vous montre la totalité du chemin. Pour aller chercher ça. C'est de l'autre côté du... De l'autre côté du barrage. Et ça passe toujours facile avec le Chevrolet. Ah voilà, une vue un peu plus détaillée sur la carte. Vous pourrez faire une pause si vous voulez. La vue intérieure est toujours sympathique, hein. Et bon, c'est pas forcément évident pour bien voir ce qui se trouve devant nous, quoi. Des fois, on se retrouve avec des trous énormes. Et dans cette vue intérieure, on les voit pas. Bon, alors là. Avec le moteur amélioré. Enfin, extrêmement vite le Chevrolet. Faire même attention, on arrive trop vite dans les virages. Sur le bitume, ça glisse. Et là, le Chevrolet est équipé de la boîte autoroute. J'ai retiré la boîte SnowRunner avec les deux petites vitesses. Lente, rapide, on va dire. Et je suis en train de tester, on va voir si ça passe. Pour l'instant, ça marche bien, quoi. Dans les premiers rapports, ça va, c'est assez sympa. Bon, après, on roule pas en sixième dans la boue, quoi. Donc voilà, on y est presque. Et voilà. Quelques dizaines de mètres. Et cette transmission intégrale est à vous. Alors, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu.
petit commentaire si vous le désirez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut !